Nous avons un ordre du jour un peu simplifié, plus simplifié que prévu ce soir. On commencera avec la présentation des membres et du personnel de la direction d'abord. Ensuite, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour et deux dossiers à l'étude ce soir. Alors, je me présente d'abord. Mon nom est Christian Arsenault. Je suis élu ici en arrondissement. Et je suis le président du comité exécutif. Voyons donc, pas encore. Je suis le président du comité consultatif d'urbanisme, ce qui me rend d'office le président de ce comité de démolition. Je suis accompagné par les gens de la direction, d'abord M. Sébastien Manceau, ainsi que M. Frédéric Alex Garcia, qui présentera les deux dossiers de ce soir, et Mme Julie Faraldo-Boulet. Merci d'être parmi nous, tout le monde. Je Bonjour. suis aussi accompagné par les membres de notre comité. Je vais commencer dans l'ordre que je les ai sur mon écran. Alors, j'ai Mme Isabelle Dumas, Bonsoir. M. Bruce Allen, Bonsoir. Madame Malaka Akawi, Bonsoir. Madame Jamila Hajj-Amou Bonsoir. et Madame Geneviève Coutu. Bonsoir. Merci à tout le monde. Je vous invite maintenant à fermer vos micros et vos caméras jusqu'à la fin de la première présentation. Ensuite, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour, il y a un petit amendement à faire. Originalement, nous avions prévu un dossier sur l'avenue Summerled, mais finalement, ça a été retiré à la demande du requérant. Alors, je vais proposer l'adoption de l'ordre du jour amendé avec les deux dossiers à l'étude ce soir, des études de demande de démolition d'immeubles au 4043 avenue Melrose ainsi que 4174 14 avenue Oxford. Alors, je propose, est-ce que j'ai un appuyeur pour formaliser ça? La première personne à me l'indiquer ou à lever leur main, voilà, Madame Coutu. Merci bien. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec les procédures techniques relatives à une demande de permis de démolition. Sera présenté par Madame Faraldo-Boulet, si je comprends bien. Ou est-ce qu'on va commencer avec l'étude du dossier? On peut commencer avec l'étude du dossier, puis je vais les présenter dans la présentation. S'il y a des questions par la suite, je serai là pour répondre aux besoins. Parfait, merci. Monsieur Garcia, la parole est à vous. Merci. Est-ce que tout le monde peut voir la présentation à l'écran? Oui, c'est parfait. Donc, ce soir, nous présentons le 4043 avenue de Melrose. Donc, il s'agit de la démolition d'une dépendance ou d'un garage. On est dans un secteur significatif à norme C et la demande est assujettie à l'autorisation du comité de démolition en vertu de l'article 6.1 du règlement régissant les démolitions des immeubles. Donc, je vais passer l'ordre du jour. Allons aux procédures. Donc, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit un processus d'opposition. Donc, l'article 148.0.7 qui spécifie que toute personne qui veut s'opposer à la démolition doit, dans les 10 jours de la publication de l'avis public ou, à défaut, dans les 10 jours qui suivent l'affichage de l'avis sur l'immeuble concerné, faire connaître par écrit son opposition motivée au greffier et au secrétaire trésorier de la municipalité selon le cas. Avant de rendre sa décision, le comité doit considérer les oppositions reçues. Ces séances sont publiques. Il peut en outre partie tenir une audition publique s'il estime opportun. Aucune opposition n'a été reçue à ce jour. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit également que toute personne peut, dans les 30 jours de la décision du comité, interjeter appel de cette décision devant le conseil.
tout membre du conseil, y compris un membre du comité, peut siéger au conseil pour entendre et appeler, interjeter en vertu du premier alinéa. Le citoyen qui souhaite faire appel de la décision peut transmettre par écrit sa demande à la secrétaire de l'arrondissement. Le secrétaire d'arrondissement fixera une date pour entendre l'appel et les parties concernées. Suivant la demande de démolition, le comité de démolition doit statuer favorablement ou défavorablement. En cas de demande d'appel reçue dans les 30 jours, la décision finale se fait par le conseil d'arrondissement qui recommandera par la suite soit la délivrance du permis de démolition ou le refus de la demande. Le comité autorise la démolition s'il est convaincu de l'opportunité de démolition compte tenu de l'intérêt public et de l'intérêt des parties en tenant compte des critères suivants. Donc, l'état de l'immeuble visé par la demande, la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage, le coût de la restauration, l'utilisation projetée du sol dégagé, et la valeur patrimoniale de l'immeuble. Donc, débutons avec l'opportunité de démolition pour le 4043 avenue de Melrose. Donc, la propriété qui est située tout près de l'avenue Notre-Dame-de-Grâce. Et il s'agit en fait, donc, une petite image du contexte démontrant la matérialité et la diversité du cadre bâti qu'on retrouve dans le secteur. Procédons immédiatement vers ce qui nous concerne davantage, qui est la démolition de la dépendance qui se trouve en cour arrière et qui est annexée à un mur de béton qui appartient à la propriété voisine et qui longe presque toute la longueur de la propriété. Donc, vous pouvez voir ici une photo du contexte. Donc, on voit le fameux mur de béton de la propriété voisine et le garage à votre droite. Le garage existant qui est à démolir. L'autorisation du comité est requise préalablement à la délivrance du certificat d'autorisation de démolition. Précisons que dans ce cas-ci, la demande de comité de démolition est requise en raison de la construction en briques. Notez que si le bâtiment n'était pas en briques, tel que stipulé à l'article 7, le dossier ne serait pas requis de présenter la demande de démolition au comité de démolition. Donc, ce qui justifie la demande, d'une part, c'est la dégradation du garage existant. Il y a d'autre part un projet d'arrondissement qui a été approuvé par l'arrondissement au mois de juin. Également libérer la cour afin d'aménager le terrain et la demande, il y a actuellement une demande à l'étude pour l'aménagement d'une piscine creusée à l'emplacement du garage qui est à démolir. Donc, le contexte de la demande de démolition, vous pouvez voir ici une perspective qui a été faite de la condition existante de la propriété et à droite, vous pouvez voir le projet d'agrandissement qui a été approuvé au CCU du mois de juin. Donc, la situation actuelle du garage existant était conflictuelle partiellement avec l'agrandissement qui est projeté. L'agrandissement se projetant un peu dans la cour latérale fait en sorte que l'accès, de toute façon, au garage n'était plus possible. Vous pouvez voir ici le projet qui a été approuvé le 11 juin 2020. Donc, on voit la projection latérale de l'agrandissement qui est projeté à l'arrière. Et je le rappelle, cette demande est déjà approuvée et acceptée par l'arrondissement. Donc, le plan d'aménagement du terrain, et on peut voir également les aménagements qui avaient été autorisés. On voit ici que le garage a déjà été démoli pour faire place à une piscine. Donc, voici le projet d'occupation du sol projeté qui est d'implanter une piscine creusée dans le terrain à l'arrière. L'étude d'ensoleillement qui avait été fournie au moment du projet d'agrandissement, donc qui démontre très clairement que la démolition de la dépendance n'a pas d'impact sur le voisinage autour, sinon que ça vient dégager le terrain puis ça permet de l'aménager davantage. Les critères de démolition, donc l'état de l'immeuble visé par la demande, donc la construction démontre les effets du temps et les contraintes de ce type de construction de briques.
la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique et de la qualité de vie du voisinage. Donc, la dépendance est quand même bien entretenue. Un mur de béton longe la voie d'accès de la propriété, ce qui limite l'impact visuel quand même de l'intervention. Le coût de restauration, c'est non applicable puisque le bâtiment va être démoli. L'utilisation projetée du sol, donc le requérant vise l'installation d'une piscine creusée à l'emplacement du garage. Au niveau du point 5, il n'y a pas de locataire, donc ce n'est pas applicable. Au niveau du point 6, la valeur patrimoniale de l'immeuble, bien que la dépendance reprend la typologie caractéristique des garages de briques en fond de cour, elle n'a qu'une faible valeur patrimoniale. Donc, la recommandation de la direction, nous recommandons d'autoriser la demande pour les raisons suivantes. Le garage existant se détériore. La démolition du garage favorise l'aménagement du terrain. Le projet d'agrandissement du bâtiment a été approuvé le 11 juin 2020. Je précise ici que tout le contexte de la COVID a fait en sorte que le comité de démolition a dû être retardé jusqu'à ce jour. Et c'est la raison pourquoi la demande de démolition n'a pas été traitée avant le CCU pour accepter l'agrandissement. Et une demande pour l'installation d'une piscine est actuellement à l'étude. Voilà, donc j'attends vos commentaires. Merci, M. Garcia. Je tiens d'ailleurs à saluer la présence de mon collègue McQueen qui est parmi nous ce soir. Alors, j'ouvre le plancher. D'abord aux questions et réponses écrites. Je note que nous n'en avons pas ce dossier, étant donné qu'il n'y a aucun membre du public qui est présent en visioconférence. J'imagine qu'on n'a pas de questions de leur part non plus. Alors, nous allons aller directement aux questions et commentaires des membres du comité. Et comme tout à l'heure, si vous avez des questions ou commentaires, je vous demanderai de lever votre main et je pourrai vous donner la parole par la suite. Questions ou commentaires? Oui, Monsieur Allen. Bon, je n'ai pas d'objection à la proposition. Je crois que, en général, le terrain sera amélioré par l'élimination de garages et les améliorations de maisons et évidemment la piscine. Merci. Merci pour le commentaire. S'il n'y a aucune autre personne, nous pourrons procéder immédiatement à la décision du comité. Je vais proposer moi-même que nous adoptons la recommandation de la direction. Est-ce que j'ai un appuyeur? Monsieur Allen? Et je vois les mains de Monsieur Allen et Madame Akawi. Alors, disons que M. Allen propose et Mme Akawi appuie. Et s'il n'y a pas de demande de vote, nous allons adopter ça à l'unanimité. Voilà. Merci, collègues. On avance rapidement. Deuxième dossier à l'étude. Donc, le deuxième dossier qui est assez similaire au premier. Donc, il s'agit du 4174 avenue d'Oxford. Il s'agit encore une fois d'une démolition d'une dépendance d'un garage. On est encore en secteur significatif à norme C et la demande est assujettie à l'autorisation du comité de démolition en vertu de l'article 6.1 du règlement régissant la démolition des immeubles. Donc, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme spécifie que toute personne qui veut s'opposer à la démolition doit, dans les 10 jours de la publication de l'avis public ou à défaut, dans les 10 jours qui suivent l'affichage de l'avis sur l'immeuble concerné, faire connaître par écrit son opposition motivée au greffier et au secrétaire trésorier de la municipalité selon le cas. Avant de rendre sa décision, le comité doit considérer les oppositions reçues. Ces séances sont publiques.
Il peut en outre tenir une audition publique s'il estime opportun. Aucune opposition n'a été reçue à ce jour. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit également que toute personne peut, dans les 30 jours de la décision du comité, interjeter appel de cette décision devant le conseil. Tout membre du conseil, y compris un membre du comité, peut siéger au conseil pour entendre un appel interjeté en vertu du premier alinéa. Le citoyen qui souhaite faire appel de la décision peut transmettre par écrit sa demande à la secrétaire d'arrondissement. Le conseil d'arrondissement fixera une date pour entendre l'appel et les parties concernées. Donc, suivant la demande de démolition, le comité de démolition doit émettre une décision favorable ou défavorable. Dans le cas d'une demande d'appel reçue dans les 30 jours, la décision finale revient au conseil d'arrondissement qui devra statuer sur la délivrance du permis de démolition avec ou sans condition ou du refus de la demande. Au niveau des critères d'évaluation pour la démolition, le comité autorise la démolition s'il est convaincu de l'opportunité de la démolition compte tenu de l'intérêt public et de l'intérêt des parties en tenant compte des critères suivants. Donc, l'état de l'immeuble visé par la demande. Ensuite, la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité du voisinage, le coût de la restauration, l'utilisation projetée du sol dégagé et enfin la valeur patrimoniale de l'immeuble. Donc, débutons avec l'opportunité de démolition de la demande. La propriété qui est donc située au 4174 avenue d'Oxford, donc on peut voir ici la dépendance ou le garage qui est situé en fond de cour et qui est annexé à un garage mitoyen sur le lot voisin, évidemment. Le contexte de l'avenue d'Oxford qui est composé majoritairement de bâtiments jumelés et qui ont comme caractéristique d'avoir ces voies d'accès partagées avec les garages en fond de cour, du moins sur cette section-là de la rue. La propriété visée, donc on voit ici le garage qui est à démolir et à reconstruire avec un projet de remplacement, un garage qui date de 1918. Et je souligne immédiatement le couronnement du bâtiment, donc le petit fronton du parapet qui est un peu courbé, qui va être repris dans le projet de remplacement. Donc, l'autorisation du comité est requise préalablement à la différence d'un certificat d'autorisation de démolition. Dans ce cas-ci, le dossier est étudié puisqu'il est composé de briques. Si le garage n'était pas composé de briques, l'article 7 spécifie que le comité de démolition ne serait même pas requis. La justification de la demande, donc la dégradation, d'une part, la dégradation avancée de la structure du bâtiment existant, l'entretien négligé par le propriétaire précédent semble être la cause de l'état actuel du garage. Le garage existant est peu profond pour un véhicule. La reconstruction du garage se fera dans l'esprit de celui qui est existant et le projet de reconstruction est assujetti au PIA, donc au titre 8 en vertu des articles 93 et 108 puisque c'est une construction neuve. Pardon. Donc ici, vous pouvez constater la détérioration au niveau de la façade latérale du bâtiment, donc on voit des fissures importantes à l'arrière du mur latéral. Un document y a tellement été fourni expliquant la justification pour la démolition par le requérant et une constatation par un ingénieur de la structure, de l'état de la structure actuelle. Donc, les photos qui nous ont été remises démontrent clairement les fissures importantes tant au niveau de la dalle qu'au niveau des murs de fondation. On voit le mur qui se désagrège, le mur latéral qui se désagrège. Donc, un état structural assez avancé. Les plans de la dépendance existante, donc on voit ici du côté gauche le garage existant et du côté droit le garage sur la propriété voisine.
Donc, on peut constater dès le départ que déjà la configuration, la composition du garage est déjà différente de celle du voisin. Le plan du projet de reconstruction, donc on prévoit agrandir légèrement le garage. Le garage sera pendant plus étroit que celui d'origine. Donc, on avait un garage qui avait 14 pieds de largeur et on passe à 13 pieds de largeur. Donc, il sera plus étroit, ce qui permet de libérer un pied de plus sur le terrain à des fins d'aménagement. Le garage est cependant projeté un peu vers l'avant, donc on agrandit en façade d'à peu près 4 pieds. Somme toute, c'est quand même, dans l'ensemble, un agrandissement qui est quand même léger. Donc, vous pouvez voir ici les élévations du projet de reconstruction. Et tel que mentionné préalablement, on reprend la composition, la courbure qui compose la façade du bâtiment principal sur le terrain. Et on reprend des portes qui ont une typologie des grands portes à battants qui reprennent une apparence un peu plus traditionnelle plutôt qu'une porte de garage. Donc, l'intervention se fait quand même dans le respect du cadre bâti environnant. La proposition d'aménagement paysager proposée, donc il est proposé de venir aménager la voie d'accès de manière commune avec celle du voisin. Donc, de venir vraiment fusionner les deux voies d'accès ensemble avec une partie qui serait aménagée en pavé alvéolé et une bande de verdure de plantation qui longerait les bâtiments de part et d'autre. Donc, ce qui permet quand même d'améliorer un peu le verdissement de la propriété. Et le restant, la balance, serait en pavé de béton. En ce qui a trait des critères de démolition, donc l'état de l'immeuble visé par la demande, la construction démontre une dégradation avancée de la structure. Ensuite, la détérioration de l'apparence architecturale et du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage. Donc, le projet de remplacement reprend la typologie et la matérialité de la dépendance d'origine. Le coût de la restauration, les désordres structurels sont trop importants pour être réparés. Donc, le coût serait beaucoup trop important pour reconstruire, pour réparer la structure existante. L'utilisation du sol projeté, la dépendance sera reconstruite légèrement, plus grande, et la voie d'accès réaménagée de manière à réduire sa minéralité. Le point 5 concerne les préjudices aux locataires, il n'y en a pas, c'est non applicable dans ce cas-ci. Et en ce qui concerne enfin la valeur patrimoniale de l'immeuble, bien que la dépendance reprend la typologie caractéristique des garages de briques en fond de cour, elle n'a qu'une faible valeur patrimoniale. Et dans ce cas-ci, la proposition de toute façon reprend l'apparence traditionnelle et même reprend les caractéristiques architecturales du bâtiment principal. La recommandation de la direction, donc la dose recommande d'autoriser la demande pour les raisons suivantes. Le garage existant démontre d'importants désordres structurels. Le garage à démolir a une faible valeur patrimoniale. La superficie du garage n'est que légèrement agrandie. Le projet de remplacement est conforme au règlement d'urbanisme. Le projet de remplacement est assujetti au PIA, donc en titre 8, donc il devrait être présenté au CCU. La voie d'accès est aménagée de manière à réduire sa minéralité. Alors voilà, j'attends vos questions. Merci, M. Garcia. Nous allons commencer avec les questions et commentaires écrits du public. Et encore une fois, aucune question écrite reçue. Ensuite, prise de questions des gens présents en visioconférence. Et je n'ai personne qui en demande. Alors, on arrive à la période des questions et commentaires des membres du comité, commençant avec Mme Adjamou, suivie par Mme Dumas. Oui, je comprends qu'on va le revoir au CCU. Est-ce qu'on fait quand même des suggestions ou des recommandations pour le projet dès à présent ou on attend que ce soit de nouveau présenté dans le cadre du PIA au CCU?
la question. Vous pouvez faire une suggestion immédiatement. Ben, moi, en fait, c'était je vais revenir un petit peu sur les trois types de matériaux en cours avant, ben, dans la partie avant, le dalle alvéolé et le revêtement en arrière. Je comprends qu'il y a quand même une volonté de verdissement, mais elle n'est peut-être pas aussi, aussi importante qu'on le pense. Et c'est vrai que les dalles alvéolées, paraît que ça vieillit mal. Ceci dit, c'est un usage quand même plus domestique. Mais je m'attendrais à peut-être à ce qu'il verdisse plus et qu'il harmonise un peu plus les revêtements. Parce que je trouve que trois revêtements, ce n'est pas évident que ça vieillisse bien. En tout cas, c'est ma suggestion. Merci. C'est noté. C'est noté, merci. Madame Dumas, suivie par Madame Akawi. De mon côté, j'ai aucun problème. Je voudrais revenir non pas sur l'aménagement, mais plutôt sur le garage comme tel. J'ai absolument pas de problème avec la démolition. Je trouve qu'on a un projet de remplacement qui est particulièrement intéressant. Là où j'ai un problème, c'est un problème que j'aurais peut-être pu signaler plus tôt, que j'aurais pu signaler par rapport à l'autre dossier qu'on a vu précédemment également, c'est au niveau de l'argumentaire. Je trouve qu'on est un peu cavalier quand on dit que le garage n'a pas de valeur patrimoniale. Ça ne veut pas dire que pour toutes sortes d'autres raisons, ce n'est pas une bonne idée que de le démolir, surtout quand on a un projet de remplacement qui est supérieur. Mais comme j'ai l'impression qu'on va souvent avoir des dossiers à ça, des autres dossiers similaires dans les années à venir, puis il y a des garages quand même de différentes qualités dans le secteur, je pense qu'on devrait être plus nuancé quand on parle de la valeur. Je ne suis pas en train de dire que c'est un monument historique, là, mais on doit... Puis en fait, dans l'argumentaire, on dit que ça reprend, qu'il y a des caractéristiques, que c'est un bâtiment d'époque, qui a des caractéristiques typiques du secteur, que ces caractéristiques de la façon dont le quartier s'est développé. Alors, tout ça, c'est des arguments qui militent dans le sens d'une certaine valeur patrimoniale. Alors, je suggère que peut-être à l'avenir, on devrait être un petit peu plus nuancé quand on présente des dossiers comme ça, puis qu'on dise que c'est un bâtiment qui a un certain intérêt, mais que ce n'est qu'un bâtiment d'accompagnement et que sa disparition ne remet pas en question la valeur de l'ensemble. Je reviens à ce que je disais au départ, je n'ai pas de problème avec la démolition, mais je pense que quand on parle de valeur patrimoniale, il y a quand même une certaine méthodologie à utiliser quand on dit que quand on établit une valeur patrimoniale à un immeuble. Puis si on faisait un vrai exercice, qui n'est pas nécessairement justifié dans un cas comme ça, mais si on faisait un véritable exercice d'évaluation, on ne dirait pas que c'est des bâtiments qui n'ont pas de valeur. Alors, il s'agit juste de nuancer et de pondérer cet aspect-là de l'évaluation avec le reste. Ceci dit, je suis tout à fait d'accord avec le reste de la recommandation. Merci, Madame Dumas. Je vous entends parfaitement, puis je suis d'accord avec votre commentaire, puis j'apporte une nuance pour remarquer que j'ai écrit le garage à démolir a une faible valeur patrimoniale. Donc, je n'ai pas écrit qu'il n'a aucune valeur patrimoniale. Je l'ai peut-être dit malheureusement en présentant, mais j'ai bien écrit qu'il a une faible valeur patrimoniale, mais je comprends très bien le sens de votre commentaire, puis j'apporterai une attention particulière. Je ne veux pas argumenter, mais c'est moins le fait qu'il ait une faible valeur, qu'il soit d'une faible importance par rapport à l'ensemble. C'est parce qu'en soi, ça, je ne suis pas sûre qu'on conclurait qu'il y a une faible valeur, mais c'est eu égard à l'ensemble des autres critères et à l'ensemble de la propriété qu'il faut le regarder, à mon sens. C'est bien noté. Madame Akawi, suivie par Madame Coutu. OK. Pour ma part, je n'ai pas de problème avec la démolition du garage et le projet de remplacement.
Là où j'ai des hésitations, c'est dans le même sens que ma collègue Jamila, où on voit dans le fond un aménagement de terrain qui est un diagramme, qui n'est pas vraiment un plan d'aménagement. Donc, j'aimerais ça qu'on leur suggère que quand ça va passer au CCU, d'arriver avec un vrai plan où on réfléchit plus à la manière dont on traite le sol et les abords des bâtiments des deux côtés et comment on veut les harmoniser. C'est bien noté. La suggestion pourra être faite. Merci. Et Mme Coutu? Oui, moi, c'est juste une question. Est-ce que le voisin compte aussi utiliser son garage pour mettre son auto? Parce que dans le plan d'aménagement tel que présenté, ça a l'air un petit peu serré pour rentrer l'auto dans le garage. Parce que le nouveau garage avance de 4 pieds, puis là, ils ont mis une petite plate-bande ce qui fait que entre le coin de la maison puis le coin du garage, il reste assez de place, mais c'est peut-être un peu serré s'ils gardent la plate-bande. Donc, c'était mon seul commentaire. En étant d'accord avec tout ce qui s'est dit avant aussi. Merci. Merci. Bonne précision. Question de précision, effectivement. Monsieur Garcia? Pour préciser, il y a approximativement 2 pieds. On peut revenir sur le plan. Donc, je vais revenir ici. Donc, si vous voyez ici, on a 1 pied et quelques pouces et 10 pieds. Donc, au total, on a approximativement 2 pieds entre l'avancée du garage proposé et la porte de garage du voisin, si on revient au plan d'aménagement. Donc, vous êtes préoccupé avec la proposition des plantations ici, si je comprends bien, c'est ça? Oui, non, c'est ça. C'est sûr que ça passe, mais en tout cas, c'est juste s'assurer parce que je me suis rappelé que j'ai un ami qui a eu une situation comme ça. Le voisin s'est avancé, puis ça devient un petit peu périlleux pour rentrer dans son garage. Ben périlleux, en tout cas. Il faut juste faire attention, c'est tout. Mais juste y penser, dans le fond. Voulez-vous le mettre à titre de suggestion pour que le propriétaire, le requérant vérifie ou... Ben, ça reste que c'est quand même c'est un détail important pour le voisin si il n'a plus accès à son garage comme il avait l'habitude. Enfin, ça dépend. Est-ce qu'on veut garder un accès, un bon accès ou c'est pas nécessaire? Donc. Je suggérerais que cela serait peut-être une question à régler entre voisins. Je ne sais pas si ça fait partie de notre analyse comme telle, mais je vais me fier à la réponse de la direction. Oui, bien, c'est une bonne question. Effectivement, je serais porté à répondre que... le voisin doit se fier à son propre terrain pour se stationner dans son garage. Donc, qu'il y a une avancée sur le terrain du voisin ou pas, il ne devrait pas empiéter sur le terrain du voisin pour devoir se stationner dans son propre garage. Non, c'est ça. Donc, d'un point de vue strictement réglementaire, je vois mal comment que ça pourrait être pris en compte. Cela dit, on pourra quand même formuler cette préoccupation-là auprès des requérants là, pour qu'ils puissent ajuster leur aménagement paysager en conséquence du moins. Merci. Une deuxième question ou commentaire de Mme Akawi. Ben, je fais suite à ce que Geneviève vient de dire. J'avais noté le rétrécissement de l'entrée du voisin avec la plate-bande de plantation, mais je me suis dit, si on leur demande de soumettre un plan harmonisé avec le voisin où ils discutent tous les deux de leurs besoins puis du verdissement, à ce moment-là, ça pourrait être réglé de cette façon-là plutôt que d'insister sur un petit détail, mais insister sur l'ensemble. C'est un très bon point.
Merci bien pour les questions et commentaires. Alors, s'il n'y a plus de commentaires, je vais proposer que nous adoptons la recommandation de la direction avec les suggestions qui ont été apportées en séance. Si quelqu'un pourrait juste les répéter pour que tout le monde soit sur la même page, puis ensuite on pourrait procéder à l'adoption. Donc, j'entends d'une part, on a eu une proposition pour présenter un plan plus détaillé, concerté des aménagements par Malaka. Et il y avait aussi la question des trois revêtements, d'essayer d'arriver avec une proposition plus uniformisée. Et je prends pour acquis que le commentaire lié à la valeur patrimoniale n'est pas un commentaire nécessairement pour le requérant. Merci, messieurs. Merci. Alors, si c'est tout, je vais proposer l'adoption appuyée par la première personne, le premier membre du comité à lever sa main, Madame Adjamou. Merci. Et s'il n'y a pas de demande de vote, nous allons adopter à l'unanimité. Merci, collègues. Merci à toutes et à tous. Merci à vous. Ça a été une séance très rapide et efficace. Et je vous souhaite une belle fin de soirée. Bonsoir. Merci. Bonsoir. À la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.